Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct pour vous accompagner jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Émilie, votre choix. Professeur Doré, vous dites bonsoir, mais vous ne faites pas encore partie de l'équipe. Non, mais pour ce soir. Mais je suis heureuse de vous accueillir, cher professeur Gilbert Doré, puisqu'on va parler évidemment de l'épidémie de Covid et de sa recrudescence, sa flambée en France. Émilie, votre choix de l'actu du jour. Eh bien, c'est la valse des patrons dans C'est à vous. Après Tim Cook, le patron d'Apple, il y a 15 jours, nous allons recevoir Enrique Martinez, le patron de Fnac. Darty. Vous lui parlez éventuellement des pénuries ou pas ? Éventuellement. Sous les sapins de Noël. Mohamed, votre story du jour. Vous connaissez tous Interpol, l'une des plus grandes... Personnellement, non. Non, l'une des plus grandes organisations de police au monde. Eh bien, jeudi, ils vont avoir un nouveau président. Il est émirati et il est accusé de répression et d'actes de torture. C'est un tortionnaire qui pourrait prendre la présidence d'Interpol et ça pose question. Patrick, votre édito du jour. À la fin de l'hiver, on sortira soit vacciné, soit guéri, soit mort. C'est la phrase choc du ministre allemand de la Santé qu'on va décrypter et vérifier. Et on demandera au professeur Gilbert Doré, qui est là ce soir, de réagir. Pierre, votre œil ce soir. Les bandes magnétiques de milliers de concerts de jazz des années 70 ont été retrouvées et pour les plus belles restaurées, ce sont des trésors et ça devrait plaire à l'un de nos invités prénommé Alain. Alain Souchon. Eh oui. Parce que vous aimez faire le name dropping, Pénélope, nous hier, Alain Souchon ce soir. Alain Souchon qui propose son premier best-of et il y a de quoi remplir 3 CD. Au moins 3 albums avec tous les merveilleux tubes qui nous ont enchantés depuis 1974 et le fameux « J'ai 10 ans » avec son co-inspirateur Laurent Voulzy. Je ne sais pas si ça existe, co-inspirateur. Oui, son co-auteur Laurent Voulzy. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir. Le retour du championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Oui, il avait été interrompu l'an dernier pour des évidentes de pandémie. Les restos étaient fermés. On a un nouveau champion du monde, c'est la rôtisserie d'argent à Paris. On l'a goûté pour vous. Oh, il est bon ? C'est Louis Amar qui l'a goûté pour nous. Il est toujours vivant. Il nous dira ce qu'il en pensait. Il en a ramené. Stéphane Paroche est en cuisine, chef étoilé de la table de Castignoa, signant des betteraves ce soir, cher Stéphane, mais pas n'importe lesquelles. Elles sont lacto-fermentées. Oui, ce soir, Dadette, bonsoir. On fera 2 plats ce soir pour essayer de s'amuser un peu. Donc un risotto de betterave qui se mangera chaud et un autre un peu plus froid dans l'esprit d'un borscht. C'est très bien le chaud-froid ce soir, oui, que vous soufflez sur la table de C'est à vous. On commence par l'édito de Patrick Cohen. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure. Patrick, donc, c'est cette phrase choc prononcée hier par un ministre allemand que vous analysez, décortiquez. Voilà, c'est le ministre de la Santé Jens Spahn, dans un contexte de flambée de l'épidémie de Covid en Allemagne et de saturation du système de soins. Les hôpitaux allemands qui accueillaient des malades français il y a 1 an et demi, à l'époque, le pays était cité en modèle, y compris pour son nombre de lits, vous vous souvenez des comparatifs, je ne vais pas les refaire. Eh bien, ces hôpitaux ont dû procéder à des évacuations de patients vers l'Italie, faute de place pour les accueillir. Jens Spahn a donc résumé la gravité de la crise en disant ceci. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts, commentaire ce matin sur France Inter de l'humoriste Daniel Morin. Mais c'est ça qu'on aime avec les Allemands. Ein, zwei, drei, schnell, Achtung. Les gars, ils tournent pas autour du pot comme des glands. Ils disent les choses, merde. Nous, on est là en France, on minaude. Ah, faut être prudent, attention, la vague est haute. Faites comme vous voulez, bien sûr, on respecte vos décisions, mais faites attention. Non, en Allemagne, on dit les choses. Le virus est revenu, soit tu tombes malade, mais t'es vacciné, tu guéris. Soit tu tombes malade, t'es pas vacciné, tu meurs. J'aime cet esprit conquérant. Alors, conquérant, pas tant que ça, parce que Jens Spahn n'a plus grand-chose à perdre, il ne sera plus ministre dans quelques jours puisque son parti, la CDU, a perdu les élections et il est décrié de toutes parts. La campagne de rappel vaccinal en Allemagne est en train de tourner au fiasco faute de vaccinodrome et de doses suffisantes chez les généralistes. Mais sur le fond, il a raison de dire qu'à la fin de l'hiver, nous serons vaccinés, guéris. Alors Spahn s'est contenté de répéter une phrase prononcée ces dernières semaines par plusieurs spécialistes qui voulaient sonner l'alarme, dont le virologue le plus réputé du pays, Christian Drosten. Alors c'est une formule, le monde ne se divise pas en 3 catégories, puisqu'on peut être et vacciné et infecté, la preuve par Castex. Mais si on attrape le virus, on en sort bel et bien, soit guéri, soit mort, et avec beaucoup moins de risques d'en mourir. Si on est vacciné, environ 9 fois plus de décès chez les non-vaccinés. Ce que veut dire aussi cette phrase, c'est
c'est que compte tenu du niveau de circulation du virus, il y a peu de chances d'y échapper. Toute la population y sera à un moment ou un autre touchée par le Covid. On n'en est sans doute pas loin d'ailleurs. En juillet dernier, les Anglais ont procédé à des milliers de prélèvements sanguins au hasard pour détecter la présence d'anticorps spécifiques au Covid. Résultat, 93% des Britanniques étaient soit infectés, soit vaccinés. Est-ce que la France suit la même pente que l'Allemagne ? Oui, on vient de passer un cap inédit depuis l'été des 30 000 contaminations par jour. Olivier Véran l'a annoncé cet après-midi. Notre taux de vaccination, certes plus élevé qu'en Allemagne, ne suffit pas à contrôler l'épidémie. L'effet barrière du vaccin a été affaibli par la contagiosité du variant Delta. Alors la plupart des spécialistes plaident pour agir tout de suite pour éviter... À terme de nouvelles fermetures, plus le train va vite, plus il faut freiner fort. Pour les 6 millions de personnes toujours non vaccinées, peut-être faudra-t-il de nouvelles incitations, transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et peut-être, après des études solides qui font encore défaut, envisager la vaccination des enfants qui forment un réservoir de virus. 6 000 classes fermées dans toute la France, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Éducation. Après avoir rappelé le caractère saisonnier qu'est en train de prendre cette épidémie, ça va revenir chaque année. Et rappeler qu'on en sortira effectivement vacciné, guéri ou mort. Bonsoir professeur Gilbert Doré, chef de service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. À vos côtés, Guillaume Rosier, fondateur de la plateforme Covid Tracker, cette plateforme que saluait il y a 15 jours Tim Cook, qui était très élogieux à votre propos. On est ravis de vous accueillir tous les deux ce soir. Est-ce qu'on imagine Olivier Véran, le ministre de la Santé, dire on sera tous vaccinés, guéris ou morts d'ici le printemps ? Je crois que non. Pour une bonne raison, cette formule, elle est trop radicale. Elle est brutale. En fait, je trouve que ça illustre plusieurs choses. La première, c'est qu'ils sont débordés. En Allemagne. Et que ça va très très mal. Et qu'on n'imaginait pas un instant que ça puisse arriver. Je voudrais rappeler que beaucoup ont dit qu'il suffisait d'avoir des lits de réanimation pour que tout aille bien. Non. Même quand vous avez 25 000 lits de réanimation, 30 000, d'abord, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, l'objectif n'a jamais été de remplir des lits de réanimation. Donc ça va mal. La deuxième chose que ça exprime, qui est factuelle, c'est que nous serons tous contaminés par la Covid, avec ou sans vaccin. Alors, ce ne sera peut-être pas l'hiver prochain, ce sera peut-être le suivant, mais ça, c'est un fait, ça. Le variant Delta est très contagieux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens, alors si, sauf si vous restez chez vous, ad vitam aeternam, on vous en livrera les courses, qu'on vous laissera sur le pas de la porte. Et effectivement, c'est un virus qui est méchant, donc qui peut vous tuer. Et donc, c'est ça qui est exprimé. Alors oui, c'est violent. C'est violent, mais c'est un avantage. Ça marque les esprits. Et donc, éventuellement, ça peut convaincre, en tout cas, de faire plus attention, soit de se faire vacciner pour les irréductibles, soit de revenir, d'être plus rigoureux sur le respect des gestes barrières. On y reviendra. Ce qui est sûr, c'est que cette cinquième vague, elle est aussi fulgurante en France qu'en Allemagne. Et contrairement à des déclarations, d'ailleurs, que vous avez corrigées du ministre de la Santé, c'est exponentiel, c'est typique, d'ailleurs, de cette épidémie. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il faut dissocier deux choses. D'une part, il y a la gravité de l'épidémie, donc le nombre de formes graves quotidiennes, le nombre de décès quotidiens, l'état de saturation des hôpitaux. Et d'autre part, il y a l'évolution, la dynamique, le taux d'évolution de l'épidémie. Là, actuellement, on est dans une situation qui est modérément grave en France, c'est-à-dire qu'on a un nombre de cas qui est de 16 000, qui est plus faible que ce qu'on a connu l'hiver dernier, par exemple. 16 000, c'est la moyenne sur la semaine. En moyenne, voilà. Chaque jour, ou 17 000. Mais c'est pas, on ne peut pas non plus dire que c'est faible. On a 45 décès hospitaliers chaque jour. On aimerait évidemment en avoir moins, mais on a connu déjà bien pire dans le passé. Donc on est à un niveau intermédiaire. Par contre, ça évolue très très vite. Et donc c'est ça, je pense, qu'a voulu dire le porte-parole en disant que c'était une activité du gouvernement, en disant que c'était une activité fulgurante, Gabriel Attal. Parce que le taux d'évolution est très élevé. On a à peu près à 50% de croissance par semaine. Donc ça veut dire que le nombre de cas double tous les 10 jours actuellement. Donc ça va très très vite. Et effectivement, je considère que le cerveau humain n'est pas capable de comprendre ce qu'est une exponentielle. Oui. Et chaque vague est exponentielle. Et on l'oublie à chaque fois. Parce qu'en fait, on a l'impression humainement qu'au début, c'est quasiment plat et qu'ensuite, ça explose à un moment donné et que c'est incontrôlable. Mais en fait, mathématiquement, il n'y a absolument rien qui différencie le début, qui paraît humainement quasiment horizontal, de la fin, qui paraît explosive. Et là, actuellement, on est dans une croissance exponentielle depuis plusieurs semaines, malheureusement, avec un taux de croissance donc de 40-50% par semaine en moyenne. Et donc, c'est le cas depuis plusieurs semaines. Si ça se poursuit dans les prochaines semaines, on peut atteindre un niveau grave de l'épidémie. Donc, on espère évidemment que ça faiblisse d'ici là.
Le vaccin, on l'a compris, ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'il n'empêche pas les contaminations, il empêche les formes graves et les hospitalisations. Il réduit les contaminations. Enfin, de 50% à peu près. Voilà, ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que le relâchement des gestes barrières participe à la recrudescence et à cette cinquième vague, un relâchement qui concerne jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir un moment d'inattention, on est tous humains. Jean Castex, positif au Covid. Lorsqu'on est ministre, on croise parfois beaucoup plus de gens et donc mathématiquement, on augmente le nombre de chances d'être malade. Il a sans doute été contaminé par sa fille de 11 ans. Et donc toutes les personnes qui l'ont rencontré ont dû se mettre à l'isolement et se faire tester. Merci d'être avec nous en direct et en chair et en os. Vous êtes négatif, contrairement au Premier ministre, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà pour ce montage signé Pauline Périnet et Sacha Fontana. Le Premier ministre positif, 10 ministres de son gouvernement cas contact, 5 testés négatifs. Elle abandonne la fille de 11 ans de Jean Castex. Alors oui, non, elle n'a pas abandonné parce qu'il faudra parler des écoles. Hein. Les écoles sont une boîte noire. Nous avons décidé de ne pas savoir ce qui se passe dans les écoles, puisqu'on ne teste pas, hein. 280 000 tests par semaine, c'est rien. Et de dire que les enfants étaient non contaminés, non contaminants. Donc le 4 000 écoles fermées, sous-estime, 6 000 classes maintenant, sous-estime totalement ce qui se passe dans les écoles. Et à moins que les petits Français soient différents des petits Autrichiens, 4 000 de taux de contamination pour les petits enfants autrichiens. Donc on sait qu'ils sont contaminés, qu'ils sont contaminants. La politique qui a été suivie, pour moi, n'est pas la bonne et elle est bizarre. On veut ne pas fermer les écoles. Mais pour ne pas fermer les écoles, on ferme les yeux, en fait. Et en ne fermant pas les yeux, ce qui se passe, c'est qu'on va fermer plus d'écoles. Ils seraient beaucoup plus intelligents de tester régulièrement et massivement les enfants, de n'exclure que ceux qui sont contaminés, de permettre ainsi à la majorité des enfants de rester en classe. Et j'ajouterais que cette politique de laisser tous les enfants se contaminer est dangereuse à terme pour eux. C'est pas bon de laisser les enfants attraper le virus. Les tranches d'âge de contamination, vous arrivez à la mesurer, Guillaume Rosier ? Oui, on arrive à le mesurer. Et ce qu'on voit, alors ça dépend évidemment des vagues. On a eu certaines vagues où une tranche d'âge particulière portait l'épidémie. Là, dans cette vague, finalement, on a un fait qui est assez nouveau. C'est que l'épidémie se développe de façon homogène, d'abord sur le territoire, en France, hein, je parle. Alors, il y a des territoires où ça se développe un peu plus, notamment proche des frontières de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, et aussi dans le sud-est du pays. Mais globalement, c'est relativement homogène, et c'est aussi homogène dans les tranches d'âge, relativement. Hein. Contrairement aux vagues précédentes, où parfois on avait une tranche d'âge qui était massivement contaminée et une autre beaucoup plus faible, là, cette fois-ci, on a des taux d'incidence, donc de nombre de cas positifs, qui est relativement similaire suivant les tranches d'âge. Mais ça veut aussi dire que ce taux de contamination n'est pas négligeable chez les jeunes, chez les petits. Il faudra envisager la vaccination pour les enfants. Patrick posait la question. Sujet sensible, j'y suis tout à fait favorable. De toute façon, je suis convaincu que ça va venir. Permettez-moi de rappeler qu'à l'heure actuelle, si vous prenez les pays qui vaccinent les 5-11 ans, c'est la moitié de la planète. Et donc, ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, un phénomène isolé. Au contraire, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis, etc. Manque de données. Quand même. Et oui, mais c'est parti largement. Et la raison pour laquelle il faut vacciner les 5-11 ans, ça n'est pas pour protéger les vieux. C'est pour eux. Pour protéger les enfants. Parce que premièrement, ça tue. Alors, c'est vrai que ça n'est que, permettez-moi, le que, il fait mal. Hein, 20 morts de moins de 11 ans à peu près, plutôt entre 0 et 17 ans en France. Mais alors, combien il faut vacciner d'enfants pour pas qu'il y ait de morts? C'est une sacrée question, ça, quand même. La deuxième raison, c'est qu'il y a la Covid longue, dont on parle enfin un petit peu, qui va toucher des milliers d'enfants. La troisième raison, c'est que quand vous regardez les images des IRM cérébrales de gosses qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. Moi, je n'ai pas envie que des gosses de 5-11 ans aient des images qui ressemblent à l'Alzheimer, hein, ça c'est très clair. Hein. Donc pour toutes ces raisons, plus les centaines d'hospitalisations, plus les centaines d'enfants qui vont en réa, je pense qu'il faut les vacciner. Et quand on reprend le rapport risque-bénéfice, il est favorable. Il est favorable. Même la myocardite, qui est l'effet principal de ces vaccins, est 15 fois plus fréquente avec le virus qu'avec le vaccin. Donc oui, il faut les vacciner. Autre question que posait Patrick, est-ce que le pass sanitaire doit se transformer en pass vaccinal? Le pass sanitaire, en tout cas, il est remis en cause, notamment par la candidate RN à l'élection présidentielle, Marine Le Pen.
Je suis contre l'obligation vaccinale des soignants, je suis contre l'obligation vaccinale de quiconque. Voilà, la réalité, c'est que je pense qu'il faut la liberté vaccinale. Moi, je suis vacciné. Je pense que le vaccin est utile pour empêcher les formes graves du Covid. Ça, c'est une certitude. Mais la vraie question, c'est est-ce que le vaccin peut empêcher la circulation du virus ? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est non. Donc, à quoi sert le pass sanitaire ? Est-ce que la cinquième vague met en cause l'utilité du pass sanitaire ? Et non, d'abord, je suis quand même très embêté qu'à ce niveau de politique, qu'on ne sache pas que le vaccin protège. Pour 50 à 60% contre la diffusion du virus. 50% versus zéro, c'est considérable quand même. Donc ça, il faut le marteler, parce que, bonjour, qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ? Deuxièmement, le pass sanitaire, il a eu son utilité, il a déjà fait exploser la vaccination. Alors, moi, je n'ai pas d'études qui démontrent que le pass sanitaire, parce que je n'ai pas pass sanitaire contre pas de pass sanitaire. Donc je n'ai pas, moi, d'études scientifiques qui me disent que le pass sanitaire a son utilité. Ma conviction, c'est que le pass sanitaire qui évite évidemment, le brassage des populations qui pourraient être infectées, oui, il faut le garder, c'est indispensable. Et d'ailleurs, l'initiative française, qui pour le coup a été bonne, a été reprise dans toute l'Europe. Toute l'Europe. Et sous forme de passe vaccinal dans un certain nombre de pays. Donc, très variable. Est-ce qu'il faut... Moi, depuis le début, je suis plutôt favorable au passe vaccinal. Passe vaccinal, c'est donc... plus simple. Il y a 90% des gens qui sont vaccinés. Les tests PCR ont leur trou dans la raquette. Oui, c'est un pass vaccinal qu'il faut mettre en place. C'est beaucoup plus simple. En y incluant la troisième dose pour tous. En y incluant bientôt la troisième dose. Ouais, j'ai plusieurs éléments pour compléter ce que vous avez dit. Notamment, il ne faut pas oublier, quand on parlait de vaccination chez les enfants, qu'il y a toujours un certain nombre de personnes âgées, de personnes fragiles qui ne sont pas du tout vaccinées. À peu près 10% des personnes de plus de 80 ans n'ont pas reçu de dose de vaccin. Et on sait que dans ces tranches d'âge, on en a à peu près un tiers qui vont à l'hôpital après avoir été contaminés. Donc, ce n'est absolument pas négligeable. Ça peut représenter, si toutes ces personnes sont contaminées, ça pourrait représenter des dizaines de milliers d'admissions à l'hôpital. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, je l'ai oubliée. Sur le pass sanitaire qui deviendrait pass vaccinal. Oui, il y a beaucoup de personnes qui, je vois sur les réseaux sociaux, qui me demandent pourquoi est-ce qu'on a une vague épidémique alors que la majorité de la population est vaccinée. Et je tiens quand même à rappeler quelque chose qu'on ne dit pas forcément souvent, c'est que le variant actuel, Delta, est 2 à 3 fois plus contagieux que la souche qu'on avait il y a un an. Puisque elle-même était 2 fois plus contagieuse que la première. Non, entre-temps, en fait, la Delta est 50% plus contagieux que Alpha, qui lui-même était 50% plus contagieux que la souche qu'on avait il y a un an. Et donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'aujourd'hui, le virus qu'on a, il est 2 à 3 fois plus contagieux que la souche qu'on avait il y a un an. Et ça ne veut pas dire que ça fait 2 à 3 fois plus de cas. Ça en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que chaque personne contamine 2 à 3 fois plus de personnes. Et quand on additionne ça, on retombe là aussi sur une exponentielle, ça fait beaucoup plus. Donc je voulais juste dire que le vaccin, donc qui permet d'éviter, d'après les scientifiques, à peu près la moitié des contaminations, ne permet malheureusement pas de compenser totalement le gain en contagiosité de Delta par rapport aux variants qu'on avait un an. Et donc c'est probablement une des explications du fait qu'on a une vague actuellement. Mais donc ça serait probablement, enfin c'est sûr, même encore pire, sans vaccination, on aurait encore plus de cas. Et si je peux me permettre, d'où l'importance de faire vaccin, plus masque, plus gestes barrières. C'est un ensemble de mesures. Pour la Guadeloupe, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, a annoncé que très bientôt, des vaccins sans ARN messager seraient à la disposition des soignants, puisque l'ARN est l'objet de procès plus ou moins rationnel. Donc des vaccins genre AstraZeneca. Gilbert Deray, vu la situation dans les Antilles, faut-il attendre ces vaccins ou maintenir l'obligation ? Il y a plusieurs choses. D'abord, je suis content qu'il y ait d'autres vaccins qui arrivent. Je n'ai aucune raison de penser qu'ils soient meilleurs. Et j'espère qu'ils seront au moins équivalents en termes d'efficacité. Et les premiers résultats montrent qu'ils sont très bons en termes d'efficacité. Les vaccins ARN, c'est des milliards de personnes, on sait ce qu'ils sont, extrêmement sûrs. La deuxième chose, c'est que si certains sont réticents à être vaccinés, qui veulent cela, prenons-les. Ça me paraît une très bonne chose. Par contre, il y a un mot qui met, après 18 mois, difficile, c'est le mot « attendre ». Attendre. Chaque jour, on a des gens qui vont en réa, même s'il y en a moins, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens qui ont des Covid. Donc je respecte ces personnes-là. Vous voulez attendre, attendez. Mais vous prenez un sacré risque quand même. Guillaume Rosier, je voulais juste revenir un peu sur votre parcours. Vous étiez quand même inconnu avant la pandémie. Vous êtes désormais le data scientist, c'est comme ça qu'on dit, le plus connu de France. Vous avez 24 ans quand vous avez terminé à peine votre cursus d'ingénieur. Vous êtes lancé dans les cours de l'épidémie.
Et depuis, on peut le dire, on vous voit parler, le Covid, vous êtes devenu un spécialiste, c'est devenu votre métier. D'ailleurs, on a de la chance de vous avoir ce soir, parce que vous refusez 90% de vos interviews. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc c'est pas mon métier, hein, Covid tracker, etc. J'ai un métier à plein temps, je suis consultant data scientist salarié dans une entreprise, donc mon métier, c'est data scientist. Et vous passez et beaucoup toutes ces de temps sur le Covid, quand même. Voilà, Covid tracker, Vitmados, etc. C'est, je le fais en dehors de cette activité principale. Et votre employeur est d'accord. Et mon employeur est d'accord. Hein, il m'a recruté d'ailleurs après que j'ai commencé à le faire. Et il me donne aussi une flexibilité pour pouvoir travailler. Ça occupe combien de temps de votre journée ? C'est difficile à estimer, ça dépend des vagues. Hein, évidemment, dès qu'il n'y a plus de vagues, je me concentre à d'autres activités plus réjouissantes. Mais malheureusement, quand il y a des vagues comme en ce moment, je passe beaucoup de temps à essayer d'analyser pour comprendre comment se développe l'épidémie, dans quel territoire, dans quelle tranche d'âge, et puis à informer, à faire de la pédagogie, ce qu'on fait ce soir, pour informer les Français, pour qu'ils soient au courant de l'évolution de l'épidémie et qu'ils puissent adapter leur comportement. Au début, c'était vos données qui nous informaient, à tel point que le gouvernement utilisait vos chiffres, et depuis, l'Élysée vous a d'ailleurs fait chevalier... de la Légion d'honneur cet été. De l'Ordre national du mérite. De l'Ordre national du mérite, pardon. Et Tim Cook s'est mis en rapport avec vous pour vous, le patron d'Apple, pour vous féliciter. Oui. Tout à fait. Alors en fait, c'était dans le cadre du développement de Vitmados, qui est donc une plateforme qu'on adapte d'ailleurs pour la troisième dose. Hein, j'en profite pour faire un appel. Donc on peut passer par Vitmados pour réserver sa première, deuxième ou troisième dose. N'hésitez pas, il y a beaucoup de doses disponibles. Même si on a moins de 65 ans, moins de 50 ans. Quel que soit l'âge. Les personnes éligibles à la troisième dose sont pour l'instant celles de plus de 65 ans, bientôt celles de plus de 50 ans. Mais donc toutes ces personnes-là peuvent réserver leur troisième dose sur Vitmados. Et donc on avait développé une application sur iOS, sur les iPhones. Et donc c'est dans ce cadre-là, Tim Cook étant le patron d'Apple, qu'il a souhaité donc faire une entrevue, une discussion avec moi, où il a pu me féliciter d'avoir développé ces plateformes. J'ai évidemment transmis les félicitations à tous les contributeurs. Je rappelle, il y a plus de 150 personnes qui ont contribué au développement de Vitmados, de Covid Tracker, etc. Et donc évidemment, ça nous a fait très plaisir d'avoir une reconnaissance du plus haut niveau de cette entreprise. Et je pense que tous les contributeurs sont très fiers et heureux d'avoir apporté la pierre à l'édifice de la lutte contre l'épidémie. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez, on continue avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir, bonsoir à toutes. Interpol, l'une des plus importantes organisations de coopération policière dans le monde, va choisir un nouveau président. Et le CV du favori laisse songeur. Le vote, c'est ce jeudi où les 194 pays réunis en Assemblée générale à Istanbul, en Turquie, vont élire le nouveau président. Le favori, c'est lui, le général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi, qui est aussi l'actuel chef de la police des polices des Émirats Arabes Unis. La candidature de cet homme, accusé à de multiples reprises de répression brutale et d'actes de torture, fait bondir les associations et le célèbre avocat William Bourdon qui mène la fronde contre le général. Il y a des soupçons convaincants, documentés, du fait que le général Al-Raisi est au sommet d'une pyramide policière sécuritaire qui ordonne, laisse faire une politique de torture et de mauvais traitements sur les récalcitrants au régime. Les dissidents sont incarcérés dans des conditions extraordinairement arbitraires et sont mis dans un isolement quasi absolu, des cellules extrêmement étroites, d'éclairage parfois non-stop. Interpol traverse déjà une crise après le traumatisme de la disparition de son ancien président chinois Meng Hongwei, emprisonné dans son pays depuis 2018. Plusieurs personnalités s'inquiètent de voir l'organisation de police criminelle mondiale instrumentalisée par des dictatures en raison de ses financements. Interpol et ses 700 salariés gèrent 18 bases de données qui vont du profil des criminels internationaux jusqu'aux terroristes et leurs réseaux. Pour les ONG, élire un tortionnaire à la tête de cette agence est un danger. L'élection de Al-Raisi entacherait la crédibilité d'Interpol en tant qu'agence internationale d'application de la loi qui serait respectueuse des droits. Après, s'il veut se positionner en tant que partenaire des régimes autoritaires, ça cadre tout à fait, mais je ne pense pas que ce soit l'image qu'Interpol veut renvoyer d'elle-même. Ce n'est pas la première fois qu'Interpol élit ou est amené à élire un président d'un gouvernement abusif. En 2017, c'était le vice-ministre chinois de la sécurité, Meng Hongwei, qui était président d'Interpol.
Les associations s'élèvent contre le manque de transparence en ce qui concerne les candidatures qui ne sont pas toutes rendues publiques, mais aussi contre le vote où chaque pays dispose d'une voix et le président est élu à la majorité simple. Au cœur de la colère des ONG, un cas, celui du militant Ahmad Mansour. Le poète émirati, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté en 2017 et condamné à 10 ans de réclusion pour atteinte à la réputation de l'État. Plusieurs élus réclament de la transparence dans les financements de l'Interpol. Les Émirats Arabes Unis, qu'il faut-il le rappeler, sont un État policier, ont fait en sorte de devenir le deuxième contributeur financier de l'organisation Interpol. Mais il serait totalement aberrant que ce critère financier soit le seul déterminant, alors que leur candidat est un homme soupçonné de crime. Vous voyez, on se retrouverait dans cette situation totalement ubuesque, totalement pathétique et dramatique d'avoir un homme soupçonné de crime à la tête d'une organisation qui pourchasse les criminels. Le siège d'Interpol est à Lyon, mais la France n'a qu'une voix parmi les 194 pays qui votent jeudi. Les associations mondiales craignent une utilisation abusive des fameuses notices rouges d'Interpol qui sont des signalements policiers afin d'arrêter les criminels. Pour les ONG, aux mains d'un tortionnaire, ces fiches pourraient entraîner l'arrestation d'opposants politiques. Patrick, on est clairement, comme le dit le député, dans une situation ubuesque et dans l'ingérence d'État dans Interpol. Oui, alors c'est le charme aussi, si je puis dire, du multilatéralisme. Ça se pose aussi au Comité des droits de l'homme de l'ONU et dans d'autres organisations de ce type. Il y a 194 membres, États membres à Interpol, vous l'avez rappelé, et chacun compte pour une voix. Et on s'aperçoit toujours à l'occasion de ce type de vote que dans le monde, sur la planète, il y a plus de régimes autoritaires que de démocratie. Donc on arrive effectivement à ce type de désignation. Un mot encore, j'ai adoré la réaction de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Je crois qu'elle a été sollicité par RFI, qui dit il a 40 ans de carrière dans la police major, et donc c'est un très grand professionnel. Bah oui, justement, c'est son bilan répressif qui pose inquiète. Problème. Et on parle de financement de la part des Émiratis à hauteur de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros chez Interpol. Merci beaucoup Mohamed, à tout à l'heure pour la story média. Émilie, le compte à rebours est lancé J-31 avant Noël, et une question qui revient en boucle. Et oui, le secrétariat de Noël est ouvert, mais la question n'est pas ce qu'on va demander au Père Noël, mais si le Père Noël va seulement pouvoir faire son travail. On s'est donc demandé s'il y aurait bien des huîtres à Noël. Est-ce qu'il y aura du champagne à Noël ? Une vraie pénurie a lieu en ce moment. Elle concerne les semi-conducteurs. L'électroménager n'échappe pas à cette tendance. Sur Internet, certaines références d'entrée de gamme sont indisponibles. D'autres affichent des délais de livraison à rallonge. Une inquiétude grandissante dont la presse est emparée. Rares sont les semaines sans qu'un journal se demande s'il y aura des jouets à Noël. La peur de manquer de jouets, attention à la pénurie de jouets. Mais le mieux, c'est encore d'aller à la source, dans les rayons d'une grande enseigne de jouets. Et toute ressemblance avec un ancien reporter de C'est à vous n'est pas fortuite. Alors le rayon est plein aujourd'hui et il sera aussi plein à mi-décembre. En fait, il va être plein tout au long de l'année. Les commandes ont été passées très en amont et surtout les réceptions de marchandises très très en amont. Donc par rapport aux années précédentes, on a fait rentrer nos stocks plus tôt pour partir avant les autres en fait. Donc on est rassuré, oui, il y aura des jouets à Noël. En revanche, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'ils seront plus chers. Selon les chiffres de RTL, une hausse en moyenne de 5 euros pour 7 jouets sur 10. Et il suffit d'ouvrir un catalogue de jouets pour le constater. La corbeille de naissance Sophie la girafe était affichée à 30 euros l'an dernier. Dans le catalogue 2021, elle passe à 35 euros. Le gros cheval à bascule Pony Cycle Chocolat, je crois que ça se dit comme ça, fait carrément lui un bond de 40 euros. Il passe de 239 euros l'an dernier à 279,90 euros. Alors pourquoi 57% des jouets sont fabriqués en Asie et Covid oblige, il est plus compliqué et donc plus cher de les acheminer en France. Mais savez-vous quel est l'objet le plus vendu à Noël ? Une appli Covid Tracker. Non, c'est le livre. On offre des livres à Noël. Et bien là aussi, grosse inquiétude. On n'aura jamais eu autant de ruptures de stock en 2021. Et les délais de réimpression n'ont jamais été aussi longs à cause de la pénurie de papier. Conséquence, les réimpressions sont classées par ordre de priorité. Donc le Goncourt, ça c'est sûr, on va sûrement le retrouver dans les rayons, contrairement à des auteurs moins connus. Enfin, parmi les pénuries subies depuis plusieurs semaines, celles des composants électroniques sont touchées, l'industrie automobile, mais aussi un autre objet très prisé à Noël, le smartphone le plus vendu au monde. Et c'est le patron d'Apple, Tim Cook, lui-même, qui nous l'avait confirmé sur ce plateau. Noël approche. Est-ce qu'il y aura des iPhones disponibles pour ceux qui veulent l'offrir
à leurs proches et à ceux qu'ils aiment, parce qu'on parle beaucoup de pénurie. Il y a un risque de pénurie pendant les vacances de Noël, malheureusement, et donc j'invite instamment tous les clients à faire leurs achats le plus tôt possible. Voilà, ça c'était quand Tim Cook ne nous disait pas du bien de Guillaume Rosier, il nous parlait de la pénurie de smartphones à Noël. Pénurie ou pas au pied du sapin, alors que les opérations de promotion se multiplient. Pour en parler ce soir, Enrique Martinez, le PDG du groupe Fnac Darty, est notre invité. Bonsoir Enrique Martinez, Fnac Darty, dont vous êtes le patron et le premier distributeur de produits techniques et d'électroménagers, et vend des livres. Exactement, vous êtes venu avec des livres pour montrer qu'il n'y aura pas de pénurie de livres à Noël. Je vous ai apporté les finalistes du concours des lycéens, oui. 15 000 lycéens en France qui l'ont choisi, jeudi les lauréats. Ah. Donc c'est un bel événement que la Fnac sponsorise depuis plus de 30 ans. À Brest, ça a été l'initiative et c'est un des plus jolis événements de l'année pour nous. Donc, jeudi à 20h, les lauréats. Vous avez un accent. J'ai un accent espagnol. Parce que vous êtes espagnol et vous avez fait toute votre carrière, enfin en tout cas ces dernières années, au sein du groupe Fnac Darty. Pour répondre à la question d'Émilie, est-ce qu'il y a certains auteurs, il y a beaucoup de ministres qui sortent des livres, est-ce que du coup leurs livres ne seront pas réimprimés? Si tant est que c'est besoin vous de réimprimer. Oui, voilà. Quand je vois mes entrepôts, je pense qu'on a des quoi à vendre beaucoup des produits pour la fin d'année. Vous avez prévu des stocks exprès, justement, face à cette pénurie? Ça fait un an et demi qu'on a changé un peu de métier. Avant, tout le monde courait derrière les clients. Là, on court derrière les produits. Mais à force de courir, on a appris à anticiper, à travailler. Tout ce qu'on entend des pénuries, c'est vrai qu'il y a des tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de beaucoup des produits. Mais le fait est que beaucoup d'industries continuent à faire de la croissance. Nous avons fait énormément de croissance, donc on a livré plus de produits. Et aujourd'hui, nous avons plus d'inventaire que l'année dernière à la même date. Ah, donc vous avez plus de stocks. On a plus de stocks pour vendre. On a encore beaucoup de stocks qu'on doit recevoir, parce que les ventes des prochaines semaines sont très importantes pour nous. Mais nous sommes à un niveau de disponibilité de produits satisfaisante, je dirais comme ça. Vous aurez du stock, mais est-ce que vous vendrez plus cher vos produits? Honnêtement, ces sujets de l'inflation, c'est un sujet qui va arriver. On entend qu'il y a des tensions sur les coûts des matériaux, sur les transports. Sur nos produits, il n'est pas encore matériel. Il n'y a pas très peu de prix qui ont vraiment monté. Vous avez montré quelques prix sur des jouets. Des jouets, c'est différent parce que les coûts des plastiques ont beaucoup monté. Ce sont des fabricants parfois très petits. Il y a des augmentations parfois de quelques euros. C'est juste les coûts du transport. Pour les produits essentiels du groupe, honnêtement, pas encore, mais ça peut arriver en 2020. Les téléviseurs, tout le matériel brun, tout ça, etc., tout ce qui est fabriqué en Asie, non, ça n'augmente pas? Pas forcément. Il y a eu parfois un choix qui a été fait pour les consommateurs pour acheter des produits de meilleure qualité. Surtout pendant les confinements, les personnes ont voulu acheter des ordinateurs plus résistants, des meilleures batteries, donc ils ont privilégié les produits plus haut de gamme. Et donc ça fait un effet sur les prix de vente moyen, mais les prix, ils n'ont pas eu cet effet d'inflation encore très visible. Mais ça va venir en 2022. Ça pourrait arriver. Après, vous savez, nous avons 40 millions de clients et on est capable de proposer des produits pour une téléviseur qui vaut des 200 à 4000. Donc à nous, à nos équipes, de trouver à chaque client l'offre qui les convient. Donc on n'est pas sur un produit unique, on est sur des centaines, des milliers de produits différents. Donc l'inflation, finalement, je ne pense pas qu'il aura un impact sur la consommation pour nos produits. Votre groupe a connu de la croissance en 2020, en 2021. On a parlé avec Guillaume Rosier et le professeur Deret de cette cinquième vague du Covid qui connaît un démarrage fulgurant en France. Est-ce que ça peut menacer cette croissance, cette reprise? Et est-ce que vous craignez que les consommateurs, de nouveau, hésitent à aller dans les magasins? Bon, d'abord, évidemment, je pense que pour nous, l'essentiel, c'est la sécurité de nos clients et de nos équipes. Vous ne demandez pas de passe sanitaire, non? Pour l'instant, non. Pendant l'été, ça a été le cas. Mais évidemment qu'on fera ce qui sera nécessaire pour aider, contribuer au contrôle de cette épidémie. On s'est su adapter à tout, à la fermeture, au couvre-feu, aux jauges. Je pense que les commerces, honnêtement, je pense qu'il a fait les boulots, comme on dit dans la profession. On a fait ce qu'il fallait, on a protégé, on a investi énormément sur le matériel. On n'a pas relâché les mesures de distanciement et sanitaires. On incite même nos équipes de continuer, on les a même rappelés. On fait beaucoup de télétravail. Bref, on fait les nécessaires. Mais après, s'il faut aller au-delà et prendre d'autres mesures, je pense qu'aujourd'hui, on a appris à vivre avec cette épidémie.
et à prendre des mesures progressivement pour les contrôler au mieux. Après, je ne vous cache pas que les mondes de la distribution, les retail, ils rêvent d'un Noël qu'on puisse faire profiter à nos clients de l'expérience d'achat comme on les souhaite dans les magasins avec les horaires d'ouverture. Donc, si ce n'est pas le cas, on s'adaptera. Évidemment, les groupes ont des capacités digitales importantes, Fnac.com, Nature et Découverte, mais on préfère être partout, en magasin et en digital. Vous avez évoqué la question du télétravail. La question se pose peut-être d'un retour, si l'épidémie continuait à être galopante, d'un retour à un télétravail obligatoire. Ce matin, le patron du MEDEF, Geoffroy Route de Bézieux, a dit ses réticences quant à une obligation générale du télétravail. Pas d'obligation. Faisons confiance. Vous avez vu en Belgique ? Oui, j'ai vu ça. Hein, obligatoire. Je pense que ça serait une erreur. Le télétravail, 4 jours par semaine jusqu'au 13 décembre et 3 jours ensuite. Je pense que ce serait une erreur. Et puis ne surestimons pas le nombre de gens qui télétravaillent. Vous savez, les postes télétravaillables, c'est 20% des postes. C'est combien de pourcentage de postes chez vous qui peuvent répondre au télétravail ? Je dirais que c'est globalement les services administratifs, les sièges, à peu près 2000 personnes. Et nous avons déjà un accord télétravail entre 2 et 3 jours par semaine. On a été même à 4 jours par semaine. Il va falloir s'adapter. Honnêtement, je suis plus soucieux pour qu'on puisse continuer à prêter service dans les magasins. Sous les sièges, on a été tous habitués à travailler pendant des mois à la maison et la société a tourné avec beaucoup de brio. Donc il faut être souple. Évidemment, l'imposer, ça signifie parfois condamner à des personnes qui ne sont pas des bonnes conditions de travail chez eux. On pense beaucoup aux jeunes, on pense beaucoup à des personnes qui ont beaucoup d'enfants dans les maisons, etc. Les interdire totalement d'aller au bureau, ça a des conséquences. Donc si on peut éviter l'interdiction totale, je pense qu'on gagnerait tous. Écoutez, clients, on voit qu'il y a un changement de consommation complet. Ils accèdent de plus en plus en ligne, justement aussi dû à la crise sanitaire. On l'a vu, c'est passé de 19% de l'ensemble des ventes à aujourd'hui 28%. Est-ce que aller acheter un produit en magasin, ça va appartenir au monde d'avant ? J'espère pas, surtout comme client. Je pense qu'Internet, c'est magnifique. Et vous ne songez pas à fermer des magasins, convertir On ouvre de plus en plus parce que la proximité, ça génère de l'adhérence du client et aussi la pénétration online. Donc plus des magasins proches des bouts vous avez, plus de confiance à la marque. Et acheter en ligne, ce n'est pas incompatible à la vente au magasin. Ça fait 20 ans qu'on essaie de les prouver. Je pense que la Covid nous a accéléré sur la transformation digitale. Beaucoup des clients ils ont découvert Internet un peu par obligation. Mm-hmm. Et puis, ils sont restés parce qu'ils trouvent que c'est quand même intéressant. Mais plus de 80% déclarent qu'ils préfèrent continuer à venir au magasin. Parce que l'expérience au magasin, quand même, elle est unique. Surtout quand vous avez des marques, comme on a la chance d'avoir en France, des marques, pas seulement la nôtre, mais d'autres, qui investissent énormément sur l'expérience client. D'autant que vendredi, ce sera le Black Friday. Oui. Vous êtes prêts, j'imagine, cette grande journée de promotion lancée aux États-Unis et arrivée pour la première fois en France en 2013. 8h30 ce matin, le Black Friday commence par une course effrénée dans les rayons. Une mode venue des États-Unis où les consommateurs se ruent dans les magasins le lendemain de Thanksgiving à un mois de Noël. Il y en avait combien des téléphones au départ ? Sur la société, 1500 pièces. Et il y en a déjà plus ? Il y en a déjà plus, pour toute la France. Voilà. Ça fait comment ? Pour les avoir, les gens, nous on est là depuis. Voilà. Ils se sont... Ils ont dormi là ? Peut-être. D'après le dernier baromètre de l'Observatoire Société et Consommation, 41% des Français seulement disent prévoir profiter du Black Friday. Ils étaient plus nombreux, 57% en 2019. Il y a une lassitude en faire ces offres de promotion. On a l'impression qu'il y a des promotions permanentes. Pas partout, pas dans toutes les catégories. Je pense que nous, on aime bien ces Black Friday dites, mais surtout la période des Noël, c'est une période très importante pour les cadeaux. Et nos marques sont des enseignes de destination idéales pour les cadeaux. Pas seulement pour les produits électroniques, mais surtout pour les livres. C'est les premiers, vous l'avez dit, c'est les premiers produits vendus à Noël. Et là, il n'y a pas des promotions Black Friday, et quand même, ça reste important. Après, ces Black Friday ou les périodes promotionnelles, c'est des opportunités de pouvoir avoir accès à des produits qui, normalement, sont des prix plus élevés, et que, pour l'effet volume, on peut construire avec un prix plus accessible. Mais très souvent, et les personnes ne savent pas, c'est des produits pour l'anticipation des Noëls. Et beaucoup de produits, ils sont des cadeaux de Noël anticipés. Ce qui est pas mal pour un commerçant comme nous.
On ne consomme plus tout à fait comme avant. Il faut pour beaucoup donner un sens à son achat. Par exemple, votre groupe aide l'association à rien, c'est tout. À la fois aux caisses et sur le site, le principe est simple. À la fin de son achat, on peut ajouter une somme, un euro ou même moins pour fournir des repas à des familles. Pourquoi avoir décidé d'aider cette association à rien, c'est tout? On rappelle l'adresse à rien, c'est tout de tout.org. Parce que, comme elle dit Cécile Dufour, sa fondatrice, parce qu'avec un rien, vous pouvez, avec un rien, vous faites tout. Et vraiment, avec un petit geste qu'on anime à nos clients à faire, on a été capable de collecter des centaines de milliers d'euros et surtout soutenir plus de 150 projets humanitaires dans l'association. Bah, pour donner un exemple, l'année dernière, on a identifié avec la Covid une énorme carence sur les soutiens des bilans aux femmes, qui était victime aussi de cette Covid. On a soutenu une association qui s'appelait À Côté d'Elle, grâce à l'association. Et je pense que c'est des bons gestes qu'on a l'obligation de porter, nous, et animer nos clients à les faire. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et on rappelle que le prix Goncourt des lycéens, c'est jeudi, avec notamment Anne Berès, Christine Angot, Clara Dupont-Monod, Patricia, je suis myope, alors Patrice Franceschi. Et Anne Berest. Et Anne Berest, qui était venue d'ailleurs dans cet avou. Je les recommande tous. Merci beaucoup, Enrique et Martinez. Merci. Vous vouliez dire un mot? Vous avez une demi-seconde. Oui, nous avons deux opportunités. La première, c'est pour le télétravail. En fait, le problème, ce n'est pas l'obligation. C'est essayer de définir les conditions du télétravail qui méritent d'être améliorées. Il y a un vrai travail à faire de fond. La deuxième, c'est le monde d'après. On en a beaucoup parlé. J'en ai rêvé, j'en ai peur. Aidez-nous à inventer un monde d'après. Un vrai. Ouais, voilà. Avoir peur. Faut pas avoir peur. Merci beaucoup, Enrique Martinez, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Merci beaucoup. Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mathieu. Au sommaire ce soir, on parle souvent de l'hôpital en crise. On a suivi la mobilisation des personnels de l'hôpital de Mamers. Oui, des personnels, des élus, des citoyens. Mamers, c'est au nord du département de la Sarthe, 5000 habitants. On est à une demi-heure de route d'Alençon, à un peu moins d'une heure du Mans. On a d'abord appris que le service des urgences devait fermer le mois prochain. Finalement, la décision est décalée d'un mois, mais une mobilisation était organisée aujourd'hui. Nous étions sur place. C'est assez rare, c'est le maire Les Républicains de la ville qui a appelé à la mobilisation. Il a lancé une pétition contre une décision qui découle du manque d'effectifs, manque de moyens. Écoutez plus largement ces infirmières qui étaient mobilisées aujourd'hui. On ne va plus pouvoir soigner notre population d'ici quelques temps. Malheureusement, ça devient de plus en plus difficile dans les services. Je suis aide-soignante. Mon service est fermé depuis un an et demi. On nous a promis d'ouvrir en septembre. Le service n'a pas rouvert. Et là, on apprend la fermeture des urgences. Donc on s'inquiète parce qu'on pense vraiment que finalement, notre service n'ouvrira pas. Je suis maman et je rentre, je suis fatiguée. Et je laisse même ma fille un peu plus longtemps chez la nourrice, histoire de me reposer avant de rentrer, qu'elle n'a pas à subir ce que moi, je subis à l'hôpital. La solution, c'est de trouver du personnel et peut-être d'améliorer nos conditions de travail, parce que clairement, si les gens sont bons, c'est parce qu'on a des conditions de travail qui sont déplorables aujourd'hui. Et pour maintenir le service des urgences ouvert, il faut bien comprendre que ces effectifs devront effectuer des heures supplémentaires. Aux côtés de citoyens, au micro d'Iban Reiss et d'Anaïs Recouli, les élus du département étaient présents pour manifester leur inquiétude. Fermeture des urgences, ça serait catastrophique hein, pour les habitants, pour les soignants, pour les professionnels de santé également. C'est la proximité qui s'enfuit. Je veux dire, c'est les urgences. Si vous devez aller encore plus loin, à 10, 15 ou 20 kilomètres, c'est plus des urgences, c'est fini quoi. Que des fermetures aussitôt au niveau des urgences peut dire par la suite fermeture d'autres services. Et ça, c'est très, très important. C'est des professionnels de santé qui sont venus sur nos territoires parce qu'ils savaient qu'il y avait un service d'urgence. En disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on est nous-mêmes en difficulté par rapport à notre patientèle, on a un service des urgences. Donc on a eu du mal déjà à en faire venir certains. Alors si en plus ça ferme, rien ne tient maintenant. Finalement, pas de fermeture au mois de décembre, donc, hein, je le reprécise, une délégation était reçue par le préfet ce soir. On parle là de la Sarthe, mais ce que décrivent ces infirmières qu'on a entendues, c'est assez général à l'hôpital, professeur ? Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui se passe sur tout le territoire. Pour vous donner un chiffre à la PHP, les urgences cérébrovasculaires. Vous faites un AVC, vous avez 4 heures pour qu'on traite vous, c'est moins 40% de lits. C'est considérable. Et on parle des difficultés de l'hôpital qui, évidemment, ne sont pas nouvelles. S'il n'y a pas une réaction forte, on va sérieusement dans le mur. Je ne parle même pas de la Covid. Vous enlevez la Covid, c'est le même problème. Donc on veut une refondation de la médecine en France. Et pour ça, c'est un choix de société. Qu'est-ce que le pays veut faire de sa santé? Elle tombe en ruine.
Ce qu'on entend dans ce que vous dites, hein, quand même, c'est qu'il y a une mise en danger de la population. On compte les kilomètres, mais évidemment, c'est pourquoi j'ai pris les urgences cérébrovasculaires. Vous faites un accident vasculaire cérébral, si vous n'êtes pas traité dans les 4 heures, vous gardez des séquelles sévères. Si je vous traite dans les 4 heures, je peux vous guérir. Et moins 40% de lits. Il y en a un qui est phare à la PHP, c'est à Marenco, à Bichat. Il est quasiment fermé. C'est phare, il est connu dans le monde entier. Donc il faut prendre conscience, mais très vite, tout de suite, qu'on a un problème majeur. Le Ségur de l'année dernière n'a évidemment pas réglé tout ça. Il faut que le pays décide ce qu'il veut comme santé en France. Est-ce qu'il en veut une comme il a connu depuis 50 ans ou non? Elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Mais attention, elle va tomber. Mais ça prendra des années si on veut reformer du personnel pour peupler ses services. Des années. En fait, sur le fond, que veut-on faire de la santé? Est-ce que c'est un problème majeur ou non? Aussi majeur que l'industrie, les sous-marins thermonucléaires ou non? Qu'est-ce que l'hôpital? Est-ce que tu as un endroit qui doit produire de l'argent ou avoir des missions? Un hôpital, c'est fait pour soigner le pauvre, le SDF, le sans-papier et faire l'excellence. Et puis au milieu, c'est pas fait pour faire tout ça. Ou est-ce que c'est un endroit qui doit être comme un commerce, ne pas faire faillite, ce qui a été décidé avec la loi HPC il y a 12 ans. Moi, depuis 10 ans, j'ai plus de réunions avec l'administration pour décider d'un objectif sanitaire. J'ai des réunions budgétaires. Et on me dit, l'année prochaine, vous devez faire plus 5%. Puis vous aurez moins plus 5% d'argent, mais moins 2% de lits ou de possibilités financières. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises, qui sont politiques. Que veut-on faire de la santé dans ce pays? C'est urgent. On a appris hier que le journaliste Jean-Pierre Pernaut était à nouveau atteint d'un cancer. Oui, c'est dans un documentaire qui lui est consacré et qui sera diffusé le mois prochain qu'il en parle. Il a, cela dit, confirmé l'information dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. C'est un message adressé à ses fans. Eh oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines. J'attendais un petit peu pour en parler. Et si j'en parle, d'abord, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, ben j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle. Jean-Pierre Pernaut atteint donc d'un cancer du poumon. On sait qu'il est guéri d'un premier cancer de la prostate, qu'il avait choisi surtout d'en parler à l'époque librement, de dédramatiser autant que possible. Alors écoutez à présent cette femme qu'on a déjà reçue sur les plateaux, qui dirige un magazine consacré au cancer féminin qui s'appelle Rose. La prise de parole des patients, ça change tout, ça brise le tabou. Les patients ont pris la parole. Jusqu'à il y a quelques années, les associations de patients étaient dirigées par des médecins. Aujourd'hui, les patients disent « je suis légitime à parler pour moi-même, je n'ai pas honte à avoir à parler ». Et à partir de ce moment-là, la parole est repassée du côté des patients. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans que je reçoive un mail d'une patiente qui me dise « moi, j'ai envie de poser pour la une de Rose parce que j'assume ». Et là, on voit vraiment qu'en 5 ans, on a vraiment réussi à faire bouger les lignes. Alors, il y a la maladie, il y a aussi la prévention, le dépistage. On parle du cancer, mais plus généralement, la prise de parole de patients, de personnalités comme Jean-Pierre Pernaut, c'est important. C'est capital. D'abord, merci à Jean-Pierre Pernaut, parce qu'il fera 1000 fois plus que n'importe quel médecin pour faire arrêter de fumer des gens. C'est clair que les paroles qu'il vient de tenir sont absolument cruciales. En plus, je salue son courage et je lui souhaite un prompt rétablissement. Les associations de patients, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, sont essentielles, à la fois pour faire passer l'information, pour dédramatiser et pour faire avancer la recherche. On ne peut plus se passer des patients et de leur association pour obtenir des fonds, pour informer en relais. Donc ils sont absolument essentiels, ils sont avec nous. Avec le système de santé français, le meilleur restaurateur du monde est français. Oui, il s'appelle Daniel Boulu, c'est un chef lyonnais installé à New York depuis près de 30 ans. Son restaurant s'appelle simplement Daniel, 2 étoiles seulement, si j'ose dire, au guide Michelin, c'est le meilleur restaurateur au monde. Et puisqu'on a ouvert une page gastronomique, on connaît le gagnant du championnat du monde d'œuf mayo, après un an de pause Covid. Enfin. Je sens l'enthousiasme autour de la table. Le championnat a repris, c'est le chef Sébastien Devos de la rôtisserie d'argent à Paris qui l'a emporté. Pensez bien qu'on n'allait pas passer à côté d'une telle occasion. Louis Amar et Mickaël Robert se sont empressés de réserver et d'entrer, de questionner la clientèle. Excellent. Il est comment cet œuf mayo? Il est magnifique. Non, la petite moutarde et l'œuf surtout, le jaune est magnifique. C'est pas mal. Alors monsieur? Eh bien écoutez,
C'est bien, c'est bien. C'est bon, on ne peut pas dire autrement, c'est bon. Un plat simple, mais... Mais champion du monde, quand même. Eh oui, à 9 de champion du monde, j'étais obligé de le goûter aujourd'hui. Des bulots. Ah, c'est fou, tout le monde en parle. Oui, oui, alors là, j'ai c'est... J'ai mangé l'œuf mayo, machin, etc. Et Patrick et moi, hier, j'en ai mangé un, et tout ça. Absolument, délicieux. Et il y a des bistrots, il y a une tradition formidable aussi, qui est encore respectée par certains vieux bistrots dans Paris, c'est de mettre l'œuf mayo au prix... plancher, c'est-à-dire 1 ou 2 euros. Alors celui-ci, on est à... 9 euros, celui-ci. 9 euros à la carte. Bon, ça, c'est pas non plus scandaleux, c'est une entrée. On est à la rôtisserie de la Tour d'Argent. Hein. Ouais, 9 c'est... euros à la... Ah, ouais. L'œuf mayo, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? On part en cuisine. Qu'est-ce qu'il a de spécial, votre œuf mayonnaise? Alors, je vais vous répondre. Il est simple, voilà. Il est, c'est un œuf, de la mayonnaise et une salade de pommes de terre ou un pressé de pommes de terre. On ne l'a pas complété avec de la truffe, du foie gras ou d'autres produits. En fait, j'ai fait un bel œuf, donc une belle cuisson, 8 minutes 40 pour que le jaune soit crémeux. Une mayonnaise bien moutardée, un trait de vinaigre de Xérès dedans quand même. Et surtout, je pense, ce qui a plu, c'est ça ici. Vous voyez, on a un petit pickles de graines de moutarde, voilà, que j'ai fait mariner au vinaigre. Le pickles, c'est un petit peu croquant, ça donne du peps et... au plat, en fait. Voilà. Donc c'est croquant, ça pique un petit peu, ça relève, ça fait saliver. Je pense que ça a beaucoup plu. Bah vous avez gagné, j'ai faim. Bien. Nous, on a un chef ici qui a la pression, puisque tout le monde dit j'ai faim pendant les magnétos. C'est l'association de sauvegarde de l'œuf mayo qui remet ce titre à chaque année. Ne riez pas, ça existe vraiment. Ce sont des militants de la cuisine de bistrot. Et le champion du monde est tenu de garder cet œuf mayo à la carte pendant un an. Mais bon, vous pensez bien que Louis Amar n'allait pas attendre un an. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est une tuerie. C'est une tuerie ? Une tuerie. On fait un petit peu la pomme de terre avec, vous voyez. Mais la pomme de terre, c'est vraiment un petit accompagnement, en fait. Hein. C'est vrai que les rois de l'assiette, c'est l'œuf et la mayonnaise. Heureux ? Ça va ? Très heureux. Merci. Ça fait taper du poing sur la table, Patrick. J'aurais bien aimé avoir sa dégustation de mayonnaise. Ça voyage mal, la mayonnaise, on est d'accord. Ah oui, non, mais on peut saucer. C'est ça l'intérêt. Non, là, merci Mathias. Merci beaucoup Enrique Martinez. On vous a mis l'eau à la bouche, vous avez filé à manger un œuf mayo, une spécialité française. Merci beaucoup Gilles Verderet et Guillaume Rosier. On parlait de l'œuf mayo tout à l'heure. Il y a des questions, il y a des tests que seules les équipes de C'est à vous peuvent faire. Il y a des questions que seul Jacques Chancel pouvait poser et auxquelles même Alain Souchon avait... vraiment du mal à répondre. Je vous ai entendu quand vous étiez interviewé par Jacques Chancel. Est-ce que ma tête... Il faut dire qu'il pose des questions des fois incroyables. Est-ce que vous êtes indispensable, il m'a demandé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, j'ai dit, voyons, Jacques Chancel, soyons sérieux. Mais ça fait prétentieux de ma part à un petit merdeux comme moi qui dit ça à Jacques Chancel, qui est une notoriété terrible. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu... Mais sans ça, c'était sympa. Moi, j'avais bien aimé faire son émission. Parce que je vois rien sans... Ça fait un genre ridicule. Non, on est en direct, là. Ça fait en direct. Pourquoi ça ferait un genre... Bonsoir, Alain Souchon. Bonsoir. Non, mais gardez vos lunettes, on attend. Ça fait bleu sur les yeux. Ouais, sinon, vous ne voyez rien. On est toujours ravis de vous accueillir sur le plateau de C'est à vous. Ce soir, c'est à l'occasion de votre nouvelle collection qui, en 3 CD, nous permet de parcourir toutes ces années... Oui, c'est ça. Oh là là, qui sont passés comme un... Voilà. Comme un souffle. Non, mais à toute vitesse. À toute vitesse. Ah, oui. 57 chansons depuis j'ai 10 ans jusqu'à I'm 50, c'était en 2019. Vous êtes indispensable. C'était la question que vous posez Jacques Chancel, à laquelle vous ne saviez pas répondre. Moi, je vous le dis, vous êtes indispensable, Alain. Oui, mais vous n'avez pas le choix. Très gentil, vous, c'est ça. Votre truc. Oui, entre autres, c'est mon un défaut quand c'est trop, après. Ah oui, c'est insupportable. C'est Guimauve. De la Guimauve à suivre. Pas dit ça. Avec Alain Souchon, qu'on est très heureux de recevoir. Audrey Diwan, aussi Lion d'Or à Venise, sera notre invitée. À tout de suite.